Hey, salut, c'est Seb, content de vous retrouver pour cette quatrième manche du championnat GT Sport à la Manufacturer Series. On est sur le circuit Alsace Village et on est parti pour 18 tours. Donc, conditions de course, c'est en pneu minimum médium et il va falloir donc piter, changer les pneus et également faire un refuel puisque à l'heure où je vous parle, c'est ma troisième tentative donc du samedi pour cette manche, pour cette course, parce qu'en fait j'ai eu vraiment d'énormes difficultés à trouver mon rythme, d'énormes difficultés à trouver la bonne stratégie, à savoir s'il fallait commencer par la médium, commencer par les softs, les tendres. Donc voilà, ça a été assez compliqué. Donc vous voyez, au niveau du temps, c'est ma meilleure place pour l'instant au niveau des qualifs, 7ème. Donc bah écoutez, on regarde ce qui se passe tout de suite sur la grille de départ. Allez, donc on est parti sur le grille de départ. Donc petite précision, j'ai foiré ma capture audio. Donc du coup je suis en train de vous faire un commentaire qui ne sera pas en direct. Je suis pas forcément fan de faire du commentaire après course parce qu'on n'a pas les mêmes sensations. Donc du coup, eh bien on est parti pour ce premier tour. Donc je vous le répète, sur 7ème position, et au moins là au niveau du départ je suis sur la bonne phase. Parce que précédemment, comme j'étais assez loin dans la grille, et ben forcément j'étais au niveau de la chicane pour le démarrage. Donc on est parti, on essaye de garder plus ou moins la distance avec le troupeau de devant pour profiter de la spi. Ça c'est une chose très importante pour ne pas pouvoir décrocher. Alors, circuit qui paraît pas, mais en tout cas il est assez technique, alors qu'il y a la Lambo derrière qui nous fait déjà très peur. Elle a beau avoir un skin assez original, je me méfie. Donc circuit assez technique, il y a des parties où il y a des gros freinages, il y a des parties avec des virages très très serrés où il faut limite repasser la première. Donc voilà, notamment par exemple ici, là, ce freinage là il est assez particulier. Il faut vraiment lécher le vibreur, donc c'est vraiment pas simple, on élargit au maximum. Là également on prend bien à l'intérieur, ici on va aller sur un freinage assez léger, on prend bien à l'intérieur pour bien ressortir. Donc là bon, les pneus sont froids donc c'est pas forcément la meilleure trage. Et là ici je crois que c'est peut-être le virage où j'ai le plus de difficultés, je sais pas s'il faut plonger à l'intérieur, je sais pas s'il faut élargir, bref c'est assez compliqué parce que là il faut prendre au large et resserrer. Ici il faut se prendre juste à l'extérieur pour justement le gros freinage qui va arriver. Voilà, en deuxième, alors il préconise première, mais non, avec les pneus neufs, ça passe en deuxième. On repart ici. Là, pareil, assez délicat, pas trop prendre l'intérieur, sinon on se fait décaler. Vous voyez, justement là, c'est ce qui arrive. Ça va, je perds pas trop de temps. Et on va encore arriver sur une chicane assez forte, assez difficile. Je reste en deuxième. Je prends un peu l'extérieur pour rattraper ici. Je prends vraiment l'intérieur et on repart. Faire attention à droite au niveau du mur. Et on vient de finir le premier tour et la Lambo qui est juste derrière et qui va nous faire le freinage. Donc il faut se méfier. Je reste à l'extérieur, ça va, il reste derrière. Donc je peux resserrer un peu pour pouvoir élargir et redémarrer sans problème. Difficile de piloter au maximum de ses compétences quand il y a quelqu'un derrière, on est toujours en train de regarder ce qu'il fait, où il est, donc ça c'est pas évident. Là c'est quasiment à fond. Alors, je suis content, donc je vous l'ai pas dit mais j'ai démarré avec les médiums et je ferai deux fois soft après. Avec les médiums, avec les softs, les tendres, pardon. Je ferai tendre et médium. C'est ce qui est prévu à la base quand je démarre. Donc là, on continue à coller le train de devant. Derrière, ça s'éloigne un petit peu. j'ai tellement pesté sur les RCZ parce qu'elles avaient sur les courses daily, elles avaient trop d'avantages, hein, trop de vitesse de pointe, trop de puissance. Je sais pas, j'ai quand même une McLaren, je veux pas dire, mais bon, bref. Donc là, ça me dit, je me dis, au moins sur 18 tours, on va voir ce qu'elles valent. Voilà, pour l'instant, elle tient le pavé. Allez, là, on remet toute la puissance. On est pas mal. On regarde également les pneus. Donc l'usure commence à se montrer dans le bar graph à gauche en bas. Est-ce qu'il faut de redonner la puissance rapidement? On reste collé, on se distance un petit peu quand même. Derrière, ça s'éloigne également, l'espagnol. Allez, on élargit un petit peu, pas trop, parce que j'ai déjà fait des erreurs dans ce style à ne pas refaire justement. Allez, on élargit au maximum pour garder le maximum de puissance, éviter de faire crisser trop les pneus. Voilà, c'est très juste, il faut vraiment passer juste au bord. Le 5 là il s'est un peu raté. Ouf, j'ai failli faire la même chose. Allez, avec son Audi, il passe 6ème. La Lambo est toujours dans le rétro derrière, ça ne nous lâche pas. J'avais prévu de faire 5 ou 6 tours avec les tendres, on va voir. C'est chaud là parce que tu le suis mais tu sais pas trop la distance, donc du coup pour éviter de se prendre des pénalités, je laisse un peu passer, je laisse un peu de distance entre nous. Je pense que c'est un peu plus judicieux dans ces cas là. De toute façon je suis dans le même rythme, donc il n'y a pas d'urgence. Faut essayer de rester à distance pour quand même garder la spi. Là je reste en 3ème, je vais repasser la 2ème ici, ouais. On est pas mal ici. Le premier il s'est envolé, c'est pas grave, de toute façon on vise pas le podium clairement. C'est pas un circuit que j'apprécie forcément, vous le savez, hein, je suis plus sur les circuits traditionnels, donc on fait les courses tant bien que mal, mais c'est vrai que sur ce type de circuit, même si celui-là, je vais l'avouer, il me plaît assez. Et sur les circuits vraiment urbains, là où il y a des murs et de tous les côtés, où c'est très compliqué dès que tu sors, voilà, pour moi ça s'apparente pas vraiment à un circuit de course. Donc, voilà, là on est toujours pas mal. On perd un peu de temps, mais voilà, on est dans le rythme. Voilà, là toujours pareil, je le passe très bien celui-ci pour l'instant. On élargit, on est juste derrière, dans le nez de l'Audi. Se décaler sur les freinages, avoir une petite distance de sécurité. Là on va élargir également pour avoir le maximum de puissance en sortie. La RCZ qui est à notre droite. Oh là, l'Audi elle s'est rabattue mais d'une façon un peu sèche. Là ça doit se toucher un peu. Ouais, là ça a touché. J'espère ne pas avoir de pénalité. Je pouvais pas faire grand chose. Non, ça va. J'ai rien perdu. Et ici, gros freinage. On va essayer de rentrer mieux. Ouais, les RCZ qui se loupent, on va élargir sans trop le bloquer, on est bien. Voilà, on est au même niveau. Et là ça va faire chier. Ouais, il passe devant, je relâche un peu, je décroise, je sais pas ce qu'il a fait, j'en ai profité. Un peu de chance, un peu de réussite pour moi. On a passé les RCZ, on est P6. Allez, encore un gros freinage, alors que c'est une Aston qui allume ses pneus. Allez, on n'a pas trop mal là sur la relance. Et là ça pite, donc stratégie à peut-être 3 arrêts, enfin 2 arrêts. Moi les pneus tiennent encore pour le moment, donc on va rester comme ça. Toujours délicat, hein. Quand t'as pas fait de simulation de course, tu sais pas trop où t'en es, bien que ce soit ma 3e tentative. Voilà, on sait jamais où on se place, parce que ma première ça a été complètement le bordel. Alors le bordel pas sur la piste, le bordel dans ma strate. j'étais pas bon au niveau des temps, enfin voilà, c'était ma première tentative, donc bien que j'ai roulé un petit peu pour me faire la main sur le circuit, sur le combo, voilà, c'était pas du tout ça. Je rappelle qu'on est en groupe 4, toujours avec la McLaren. Alors que le 4e et le 3e sont en train de se batailler, c'est bon pour moi. Je perds un tout petit peu de temps sur le secteur, mais ça va encore. Là pareil, toujours bien pris, on remet la puissance assez tôt. Oh là là, oui, il a envoyé valser. Je sais pas qui est la faute, mais en tout cas, là. Ou derrière, c'était chaud avec Claudie. La polyphonie a décidé que c'était une pénalité pour homme ranique. C'était pas évident. Alors, déjà, sur un replay, c'est pas simple de juger. Alors, l'IA qui doit gérer ça en réel, on peut lui excuser quelques faiblesses. Donc du coup, lui se prend 2 secondes, ça va nous permettre de passer devant, potentiellement 3e virtuel. Le principal, c'est de pas faire d'erreur, ça c'est primordial, hein. Tu peux être moins rapide qu'un autre, mais si tu fais aucune erreur, tu peux finir devant, ça c'est vraiment là. Alors, que ça pite, voilà, donc on est bien 3e pour le moment. J'ai vraiment dû avoir des soucis avec mon PC lors du record parce que j'ai l'impression également que l'image saccade de temps en temps. Donc il y a dû avoir un petit couac. Super, merci à l'informatique. Mais bon, il paraît qu'il n'y a jamais de problème sur PC. Donc le meilleur trash c'est ça, hein. Prendre l'intérieur, là je me suis loupé, j'ai pris un peu la terre donc j'ai un peu perdu de grip. Toujours prendre l'intérieur de la courbe du virage et sortir en élargissant maximum pour faire le moins crisser les pneus, avoir le moins de contraintes au niveau des pneumatiques et de l'adhérence. Ça permet d'avoir le maximum de puissance et de motricité. Voilà, là je le prends bien, je jauge l'accélérateur, de toute façon c'est pour ça aussi que je vous mets les pédales en bas à gauche pour voir un peu ce qu'il en est. Voilà, ça c'est vraiment le virage là où j'ai vraiment le plus de mal. Il faut pouvoir ici prendre, hop, voilà à l'intérieur pour pouvoir mettre toute la puissance. Et ne pas non plus sortir. Là, pareil, je vais mettre bien à droite pour plonger. Freiner assez tôt, lâcher, laisser couler et remettre la puissance. Donc là clairement les pneus commencent à souffrir, forcément c'est détendre, je viens déjà de faire plus de 6 tours donc voilà, ce qui est logique. Donc il y a un Français derrière à 2 secondes 5. Alors pareil je vous conseille, encore une fois si vous faites des courses de ce style, c'est de vous entraîner un petit peu avec les différents types de pneus, forcément s'il y a deux montes disponibles, ah, et ben, il faut essayer les deux hein, parce que forcément ça vous change des distances de freinage, ça vous change de vos passages en courbe, donc voilà forcément si tu découvres un pneumatique pendant la course c'est un peu compliqué. Alors quand c'est en passant du tendre au médium ou au hard, forcément là ben, c'est plus difficile parce que du coup tu dois aller moins vite. Quand c'est à l'inverse c'est pas grave, tu passes des médiums au tendre, tu sais que tu peux aller plus vite en courbe, tu peux freiner plus tard, voilà, c'est pas catastrophique, même si, bizarrement, des fois, je trouve que certains pneumatiques, comme les tendres, des fois, tiennent plus longtemps que des médiums. Je sais pas pourquoi, je crois que même dans cette course-là, ça m'avait donné cette impression-là, donc je sais pas pour vous si c'est pareil, mais en l'occurrence, il y a des fois, des pneumatiques qui sont censés être moins bons. Enfin, pas moins bons, moins endurants, et qui ne le sont pas. Typiquement, les tendres sont plus performants, mais moins endurants. Et pourtant là je suis à 7 tours, je tiens encore là un petit peu le truc, donc ouais, des fois c'est un peu bizarre. Allez, on élargit surtout sur GT Sport, ne pas toucher la terre, ne pas toucher l'herbe, sinon c'est terminé. J'en ai fait les frais lors de ma 2e tentative, donc voilà, donc, comme d'habitude, hein, j'avais record, j'avais fait tout ce qu'il fallait, Et malheureusement, j'étais en 4ème position et je me suis pris l'herbe, j'ai élargi un peu trop. Et voilà, tête à queue. Je redémarrais 17ème, 18ème, donc forcément j'ai fait la course, hein, j'étais peut-être 15ème. Mais bon, je voulais pas proposer, parce que bon, de une, je voulais faire une dernière tentative. Au maximum pour moi le samedi, ça doit être 3. Et en plus, voilà, je voulais vous proposer quelque chose de qualité, donc voilà, pour l'instant, c'est le cas. Donc on est toujours 3ème, 7ème tour. Le premier envoi, il est en train de piter, il passe les tendres. Peut-être démarrer en médium. Et ben moi je continue encore de faire un tour tant que ça tient. Je sais que de toute façon je vais devoir. Voilà, je l'ai pris un peu, même carrément très mal, on va le dire. Je sais que de toute façon il va falloir repiter, il va falloir remettre du fuel. Donc voilà, il faut au moins remettre 8 ou 9 tours, je crois. Alors derrière, du coup, le français il a dû piter, on a un allemand qui a plus de 7 secondes. Pas si loin, hein. Deuxième, mais on voit que de toute façon il est plus rapide que moi. Derrière ça revient un petit peu aussi. Forcément c'est les pneus qui commencent à partir, à me lâcher tranquillement. Le tout c'est de pas sortir, donc de pas faire d'erreur comme je disais. Alors j'arrive quand même à rouler, à piloter comme il faut, mais ouais, on sent que je perds des secondes autour, donc voilà, c'est pas vraiment l'idéal. On va arriver à la mi-course. Voilà, bien passé. Et on pique toujours pas. Donc 9ème tour d'effectué. Là c'est vraiment le dernier parce que là ça commence à être compliqué. Le 3ème a pité, donc on se retrouve 2ème virtuel. Alors ça fait plaisir pour le moral, ça fait du bien. Même si je sais que pertinemment je finirai pas à cette place là, mais au moins on sait que voilà, on est déjà bien placé avant de devoir piter, donc ça fait déjà plaisir, ça met le moral et ça met en confiance. Alors qu'on voit sur la carte à droite, en haut à droite, le troupeau qui est derrière moi, donc on voit que c'est assez serré, hein, puisqu'il y a quand même énormément de monde qui se suit, à part le dernier là-bas tout en haut, mais ouais, il y a quand même un nombre de pilotes, donc un niveau assez, pas dire élevé, mais assez serré, donc voilà, ça donne des courses intéressantes. Là pour l'instant je suis un petit peu seul, mais bon, on va devoir piter, donc forcément ça va, je vais retomber, je pense, dans le graphique, à moins d'un coup de chance pour pas être embêté. Ouh là c'est juste, ouais, là je l'ai vu tout de suite. Je pouvais pas continuer sur cette lancée. Sinon c'était direction l'herbe. (2,5 secondes) derrière. Voilà. Bon, maintenant le gars il pique toujours pas. Là, je pense que sur ce coup-là, j'ai fait une petite erreur d'appréciation. En fait, c'est la crainte toujours d'avoir des pneus médiums qui tiennent pas. C'est ça le problème. Donc du coup je tente au maximum avec les tendres. De toute façon je sais pertinemment que derrière ça va me rattraper, donc c'est pas grave. Je me sens encore en confiance avec ces pneus là, donc je me dis allez on tente. Les tendres pas bons sont peut-être aussi bons que des médiums, donc voilà je tente ma chance. Je me suis pas du tout mis en danger, pas de sortie de piste qui serait vraiment risqué pour moi, donc pour l'instant je continue, mais je crois vraiment que ça va être le dernier run. Donc à la base j'étais vraiment parti pour 2 arrêts, donc tendre médium, mais bon voilà, vu ce que j'ai fait sur les deux premières manches, j'ai voulu tenter autre chose, donc et vu que les pneus, surtout les pneus tendres tenaient, je me suis dit je ferai qu'un seul arrêt. Bonne ou mauvaise stratégie, je sais pas. Si vous l'avez faite, si vous avez fait cette manche dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, j'ai voulu la tenter comme ça. Voilà, je l'ai pas trop mal pris. Alors on élargit. Ça se passe à fond. Alors que derrière c'est très vite revenu, hein, sous la seconde. La question est, à quelle place vais-je ressortir? On va voir. Allez, ça pite. Toujours pareil, délicat au niveau des pits, savoir si on rentre trop vite ou pas. Donc on place les médiums. On va remettre 8 ou 9 tours. On est déjà 4ème. Oh, ça bouge pas, 5ème. Allez, allez, carburant là. 6ème. Allez, 8, j'ai mis 8 tours. Allez. 8ème, 9ème, 11ème. Oups, enfin, là c'est le bordel. Allez, on sort 8ème. 8ème en sortie, c'est une très bonne place. Il n'y a pas trop grand monde derrière. Je vais pouvoir profiter de la speed ceux devant. Donc, voilà, très honnêtement, je pouvais pas sortir mieux. Je suis pas très loin et en plus, il n'y a personne pour m'emmerder derrière. Et je profite de la speed des mecs devant. Donc, franchement, ouais, sur ce coup-là, j'ai eu de la chance. Je suis bien sorti. On va essayer de justement rester derrière. Alors je sais pas du tout leur niveau de pneumatique, leur monte, si elle est tendre ou des médiums. Alors que je viens de voir juste en haut, enfin à gauche, que c'était 2 Français qui étaient devant. Vraiment désolé, hein, si l'image saccade de temps en temps, je m'en excuse. Je viens de le voir juste à l'image, donc j'espère que ça ne se fera pas. Je suis encore en montage, donc de l'audio et tout ça, donc voilà, j'espère que ça le fera pas, mais bon, si c'est le cas sur la vidéo, j'en suis désolé. Allez, il faudrait pas passer au-dessus de la seconde avec ces messieurs de devant, parce que sinon ça va vite être compliqué. J'ai l'air d'être un petit peu plus rapide, en tout cas sur certaines portions. On va essayer de se rapprocher ici. Ouais, c'est clairement le cas. On verra la relance. Ouais, donc leur pneu doit déjà être un petit peu fatigué par rapport au mien. Donc ça c'est une bonne chose. Il va rester 7 tours à faire ces pneus médium en espérant qu'ils tiennent le coup. Oh, là c'est chaud. Entre un italien et un français. Oh, la Porsche qui passe à l'extérieur. Oh là là, lui il pite, non? Oh, il pite lui, ah oui, mais c'est hallucinant quoi. J'étais du mauvais côté de la piste et lui il me coupe comme ça. Ça a failli être un carnage, alors on est 7ème. Et on a donc Pchito devant nous. On va voir ce que ça donne. On dirait qu'il a du mal à la... Ouais, il a décroché. Donc il est à l'extérieur, ça me permet de le rattraper. Voilà, je pourrais pas faire autre chose, hein. Il est à l'extérieur, enfin à l'intérieur. Il est devant moi. Ou encore une fois, il a décroché. Alors je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est du tout. Il a perdu la voiture de façon un peu bizarre. Allez, on continue notre petite progression. P6 avec donc un Français encore devant, Joe 02480. Donc il est assez loin. Je me méfie aussi du Français derrière. Oula, il est juste derrière. Oulala, oulala, ouais, ça touche un petit peu. Il est passé. Alors désolé, hein, moi je prends les matrages. C'est pas toujours évident en plein virage de voir s'il y a quelqu'un derrière et encore moins sur les côtés. Donc voilà, ça va, il n'y a pas de casse. Ça me fait perdre un peu de temps. Alors que là, il est très large. Oh là, ça touche un petit peu. Non, j'ai pas l'impression. Ah, putain, je vais devoir freiner un peu. Ralentir, hein, ça va encore. Allez, on relance. Ah, je me suis emmené un petit peu loin là ici. Allez, on est mieux passé. On va se mettre dans l'échappement. On va essayer de se décaler un peu. Voilà, le freinage là, on va essayer de le faire quand même, mais je suis derrière. On va pas trop élargir. Je crois qu'il va essayer de décroiser à mon avis. Ouais, il revient bien mieux. Voilà, il a du mal à revenir. Ça reste derrière, donc ça va pas me gêner pour la suite. Je me méfie au freinage là-bas, ouais. Ouais, ça va, il est gentil. Il prend ses distances. Alors que le cinquième, on a toujours du mal. C'est-à-dire que je suis aussi en bagarre avec le septième, donc du coup, bah, je défends plus que j'attaque. Un petit peu chiant cette situation. Encore une fois, ça va être délicat pour moi. Non, ça va. Ouais, je suis un peu large ici. Il l'a bien pris juste derrière, donc il est encore une fois collé derrière. C'est pas trop, hein, s'il faut les prendre comme d'habitude, les trages, ou s'il faut défendre un peu plus. Ouais, quoi. Là j'ai pris un petit peu l'intérieur, c'est pas grave. Là il plonge à l'intérieur, il est, ouais, je pense qu'il est meilleur que moi, donc là il est à l'intérieur, je dois ralentir forcément pour pouvoir ressortir assez proprement. Il est à ma droite, ouais c'est chaud. Là, il est derrière, je vais pouvoir me placer devant. Heureusement qu'il y a le petit radar. Il y a des petites portions où il est un peu plus rapide que moi. Ça lui permet de me revenir dessus. Ouh là là, le freinage, ouh là là. Là il a failli me défoncer. Il a tenté. Mais ça va, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de casse non plus. Donc là du coup il a perdu un petit peu de temps. On va s'atteler à essayer de reprendre le cinquième. Il n'y a pas de raison. En plus il y en a un devant, donc le quatrième est juste devant aussi. Ça c'est une bonne chose. Il est toujours là, dans ce virage-là, il est toujours collé à mes basques. Pas l'impression de revenir sur le cinquième. Là, on est à 4 secondes. Alors que le Français a réussi à prendre l'avantage, il est maintenant P4. Il y aura peut-être encore des arrêts, hein, parce qu'il reste 4 tours. Direct derrière la Porsche lâche un peu. Bon, quoique 6ème ça va, hein, au niveau de la place ça me convient vraiment par rapport à où je me place, par rapport au fait que ce circuit là je suis pas forcément hyper fan. Ça me va très bien. Les pneus, ça s'use tranquillou. Ça va, il n'y a pas d'urgence. où je l'ai rattrapé, mais c'était chaud. Hein. Alors que ça pite, il y a du monde qui pite. Alors on va arriver, attention, là je suis quatrième, est-ce que ça va sortir? Ouais, ça sort à droite. Ouais, j'ai eu peur, je me suis dit est-ce qu'il va réapparaître? Il y avait le fantôme juste parce qu'il était en train de sortir. Ouh, c'était chaud. Donc on est P4, on est bien sorti. Le troisième il a pas pité encore. On va essayer de profiter pendant que l'autre il a. Le cinquième il a les pneus froids. Il va nous rester 3 tours comme ça, que là je suis trop large, trop large, trop large. Là, derrière ça revient forcément. Ça c'est sûr. C'est pas une grosse erreur, mais vous voyez, ça suffit pour se faire reprendre. En plus là maintenant il a l'avantage, il est et devant et à l'intérieur. Je vais devoir freiner ici. Bah ouais. Ah, putain, je pourrais pas décroiser. Encore une fois, il est devant et à l'intérieur du virage, je ne pourrais rien faire. À moins qu'il se loupe un peu comme là, ouais. Allez, on va reprendre la puissance. La même chose, il est devant et à l'intérieur du virage. Ça va être compliqué. On va essayer de reprendre quand même. Allez, on va reprendre l'intérieur, un peu de puissance ici. On est pas mal. Il va falloir que je me place là. Droite, gauche, je vais me mettre à gauche. Là je suis à l'intérieur pour une fois, ça va changer, mais au freinage là c'est dur, ouais. Oh, il est juste derrière, je laisse la place, mais ouais, je perds du temps du coup. C'est ça, hein, si tu veux pas te prendre les pénalités ou envoyer les deux au tas, il faut faire un choix. Donc, du coup je ne sais pas du tout ce qu'il a comme pneu. On va essayer quand même de rester derrière, s'accrocher à cette cinquième place. On est dans le même rythme, hein, visiblement. Ouais, je suis un peu plus rapide, je vais passer ici. Ouais, j'en profite. Un petit peu devant. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être gentil? Ouais, il est à l'intérieur. Ça va, j'ai réussi à passer quand même en restant devant. C'est pas mal. P4. Allez, P4, sachant que les pneus commencent à fatiguer tout doucement. Si je fais pas d'erreur, de toute façon, sans erreur, le top 10 il est acquis. Ça c'est déjà bien. Maintenant derrière, bah, il lâche rien, donc je me méfie. On va regarder là si on reprend un petit peu ici. Pas l'impression. Ouais, si, il a repris un peu. Ouais, là, carrément même. Ouais, bah, il veut passer où là? À un moment, il va falloir prendre des risques. Hein. De toute façon, si je veux garder la place, il y a un choix à faire. Allez, pas d'erreur ici, le freinage. C'est bon, on a bien élargi, même peut-être un peu trop. Et il nous reste 2 tours. On est quatrième pour l'instant. Il y a du monde derrière. Donc une seule erreur et c'est fini. Je vais chuter au classement. Alors j'ai l'avantage d'être devant, mais bon. Il a mon aspi. Bah, bizarrement, il la prend même pas là, derrière. Et moi du coup, bah, j'ai rien devant. J'ai pas de... personne, donc voilà, pas de point de repère, rien du tout. Alors des fois c'est pas plus mal, parce que des fois quand il y a un mec qui sort, t'as tendance même à le suivre aussi, donc on va dire qu'on va prendre les traces qu'on connaît et qu'on prend l'habitude. Allez, une demi-seconde derrière. Il est revenu un tout petit peu. Ah, je crois que ça va être de toute façon le grip qui va me faire défaut. Forcément, ça va être à la limite de l'usure. Et encore, j'ai tiré les tendres au maximum de ce que je pouvais. J'ai pité très tard. Donc on va voir. Voilà, il s'est vraiment vite rapproché. J'ai fermé la porte un peu plus tôt. En tout cas, j'ai resserré ma trage. Et ça n'a pas été bon pour ma vitesse de pointe. Donc... de toute façon, lui, il le sait aussi. Ouf, voilà, oh là là, mince, enfin mince, c'est pas de ma faute, mais derrière, vous avez vu, il a freiné, il m'a tapé. Du coup, il est parti en tête à queue. Alors là, c'était pas volontaire de ma part, non, forcément. J'ai freiné comme je freine habituellement. C'était pas un bloc-passe ou autre chose, c'était vraiment pas intentionnel. Voilà, désolé pour lui, franchement. Mais bon, après, c'est la course. C'était pas volontaire. Allez, du coup, ben derrière, c'est à 1 seconde. On est pas mal. C'est le dernier tour. Alors, je serais tenté de dire, il n'y a pas de raison que ça termine pas comme ça. Faut vraiment que je fasse, faut vraiment que je fasse des erreurs. Déjà là, je l'ai un peu mal pris. Du coup, derrière, ça grignote déjà un petit peu. Allez, le dernier tour, on va quand même y arriver. En plus, ils sont plus ou moins en bagarre, donc ils doivent se gêner un petit peu, je pense. Allez, tout doucement, ouais, là, on est pas mal. C'est très bien venu derrière. Et si je vois bien, c'est une RCZ, malheureusement. Non, faut pas qu'une RCZ termine devant moi, hein. Pas possible ça. Allez, j'ai repris un peu de distance. Là, très important le virage ici. Voilà, ouais. Bon, j'ai gagné un peu de temps, donc je l'ai pas mal pris, mais bon. C'était pas mon meilleur passage de la course. Là pareil, c'est pas mon meilleur passage. Ça va, c'est à distance quand même derrière. Il reste plus beaucoup de virages, donc je suis assez confiant. Là ici, c'est mon passage le plus délicat. Ouais, ils sont bien revenus derrière. C'est vraiment mon point faible, hein, sur ce tracé. Là, il reste 3 virages. C'est revenu, mais dans l'échappement, là ça va faire peur parce que je sais pas comment je vais défendre. Il reste une chicane. Je vais rester à l'intérieur pour essayer de protéger. Oh putain, je freine tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas mon problème de bouton, j'ai pas appuyé sur un bouton quand même. Changement de vue ou vue à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, j'étais 4ème, dernier virage, je passe 6ème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va falloir qu'on analyse ça, qu'on regarde ça, mais là je suis vraiment dégoûté. Alors c'est une bonne place 6ème, mais je suis complètement dégoûté du dernier virage, de ce qui s'est passé. J'ai pas compris, clairement. Je me demande même si c'est pas un bug du jeu. On va regarder ça dans tous les cas. Alors n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, c'est important et ça fait plaisir, le petit pouce et tout ce qui va bien, le petit commentaire. Je vous mettrai aussi le classement au niveau du championnat. Et nous, ce qu'on va faire, on va regarder tout de suite ce qui s'est passé. On va revenir un petit peu en arrière. On va laisser terminer le classement, voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc 6ème, magnifique. On va voir au niveau des points. Donc j'ai gagné une place par rapport au qualif et on marque 80 points. Bon, en soi, c'est pas trop mal. Donc on va regarder ce qui s'est réellement passé. Allez, bon, on va se mater ça, on va regarder ça un petit peu en vue extérieure pour avoir un petit peu plus de de visibilité. Alors, donc là, on est un petit peu en arrière. On va regarder. Alors, j'espère juste, je vais avancer, qu'on va voir quelque chose. Alors, là, on arrive au freinage, juste à l'entrée. C'est là. Voilà. Alors, on a vu. Donc là, en fait, c'est comme si j'avais perdu la direction. Alors, je sais pas, il est revenu à droite. On va mettre en vue intérieure pour voir si on voit quelque chose, mais je ne pense pas. En tout cas, l'image, c'était clair. Sur le replay, je sais pas si ça peut se voir. Hop, c'était là. Non. Non, j'ai l'impression que sur le replay, l'image était normale. Donc, pas beaucoup d'explications. Mis à part qu'effectivement, ça peut venir de mon PC, peut-être, parce que je passe par mon PC pour record, avec le HD60, hein, pour ceux qui connaissent. Donc peut-être que c'est ça qui m'a fait perdre une frame ou deux. De toute façon, il y a plusieurs choses qui vont dans le sens, puisque comme j'avais des soucis de framerate d'image, plus des soucis de son, à mon avis, ça peut venir de là. Bon, bref, c'est dommage. Ça arrive à la fin, ça aurait pu arriver au milieu, hein, donc on va dire que bon. En plus, ça arrive dans un virage qui était déterminant. Voilà, c'est pas de chance, c'est certainement pas du fait de Gran Turismo, ni de la console, certainement plus à mon PC. Voilà, bon bah écoutez, c'est pas grave, je vous laisse là-dessus. C'est quand même un bon résultat. On se dit à la prochaine. Tchuss.